20 secondes. Bonjour, c'est Naïl Ampar à Marseille International de Rungis. Juste, je parlerai un peu moins. De quoi ? Je parlerai un peu moins. Comme vous voulez. En fait, c'est juste ici que je connais pas la ligne. Ouais. À partir de Cœur d'Orly, je connais. Bonjour, c'est Naïl, on part à Sevilly-la-Rue, Marseille International de Rungis. Rungis. Bus 183, direction Marché International de Rungis. À gauche, sans prendre la voie de bus, direction Évry. Tu sers à droite. Pas le droit d'être là. Tu vas direct, tu vas tout droit. Tu sers à droite, direction Orly 4. Serre à droite, direction Orly 4. Là, tu serres à gauche sur la voie de bus. Et là tu rentres à la barrière. Si la barrière ne s'ouvre pas au bout de 10 secondes, il faudra que tu sonnes. Aéroport d'Orly 4. Là, tu vas à l'arrêt 4. Arrêt, aéroport d'Orly 4. Arrêt, Orly 4. Bus 183, marché international de Rungis. C'est l'annonce dans ma tête. Hein ? Arrêt Orly 4. Ouais, pas de problème.
Et là, tu serres à droite. À gauche. Cœur d'Orly. Au rond-point, deuxième sortie. Au feu à droite, fin de la voie de bus. Arrêt, cœur d'Orly. Arrêt, cœur d'Orly. Lui, je le connais sur le 185. Je le vois. Caroline Aigle. Ouais, bon, à l'ancienne, on allait là-bas. Au rond-point à droite, non? Ah, et au feu, on allait là-bas. Comme la voiture. Ouais, ok. Pour faire l'arrêt en gare. Voilà. Mais c'est dommage que tu l'as enlevé. Au moins, ça raccourcit le parcours. Ça raccourcit. Arrêt, Paris, Vieille Poste, Caroline Aigle. Et il n'y avait même personne. Hein. Bon, c'était rare. Très, très rare. Parce qu'avant, en fait, ça faisait le dé... De quoi ? Après, l'époque. À l'époque, ça, ben, ça faisait gauche là-bas. Ça fait pas longtemps. Quoi. Ça fait un, peut-être 8 mois. Ouais. Arrêt, Paris, Vieille Poste, Caroline Aigle. Là, c'était encore en déviation. Là, pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas la ligne. Trois fois. C'était en déviation, il y a le début, apparemment. Ouais, on tournait là, là. Après droite, il y avait l'arrêt là. Et en fait, c'était une déviation pendant 3 mois et maintenant c'est la ligne normale. Voilà. Feu tout droit. Nous sommes dans le 94 à Orly. Au feu à droite. Gare de Thiers, Orly.
Arrêt, gare de Thiorly, métro, virgule, pont de Rungis, RER. Arrêt, gare de Thiorly, virgule, pont de Rungis, RER. Cité Jardin. Arrêt, Cité Jardin. Arrêt Cité Jardin. J'ai appuyé pour rien. Je sais pas si c'est un bouton qui déconne ou. Au feu tout droit. Au feu tout droit. L'arrêt n'est pas pour toi. Ça, c'est le petit lien. Le petit lien. Très bien. Dépôt de vitre, ouais. Vous avez des noctiliens? 22 et 71. Cimetière paysager. Au feu à gauche. Ouais, cette annonce, cette ligne, elle a la même annonce que le 210. Voilà, la plupart des chauffeurs nous ont dit non pour faire quoi. Ah. Vous savez pourquoi? En plus, une forme au feu à gauche. Une forme après pour un espion. Mais je suis loin d'être ça. Ouais, une mouche, exactement. Clairement, une fois j'en ai vu un, je m'en ai parlé aussi. Genre en gros, pour pas qu'il se fasse punir quoi. En tout cas, moi je suis vraiment contre ça. Peut-être, ouais. Peut-être conducteur aussi. Arrêt, cimetière, paysager. Arrêt, cimetière, paysager. Là, le 482, je dois la faire. Dépôt de Villeneuve-le-Roi. Ah, c'est Keolis. Moi, je suis déjà rentré dans leur dépôt. Arrêt, parc Méliès. Arrêt, parc Méliès. Ah, ben c'est. Au
bon. 183, marché international de Rungis. Comme lui, là, on l'a pas demandé. On l'a pas vu. C'est parti avec lui. Oh, arrêt, je parque Méliès. De quoi? À l'aller, c'est avec lui, non? C'est avec lui, non? Non. Là, on n'a même pas fait de vidéo encore. Donc, ça veut vraiment dire que. Et là on vient de commencer en gros. Ah ouais. Et on doit faire l'aller-retour. On a au moins pour 1h30. Au feu tout droit vers la gauche. Mairie d'Orly. Au feu à droite. Au feu à droite. D'Orly. En fait, si je comprends bien, quand on est limité, on repart direct à Gare Saint-Vierge. Quand on est limité ici. Ah non, ça dépend. Ah bah, si tu es limité ici, en fait, avant c'était un terminus, bon, plus maintenant. Mais quand on est limité, ensuite on repart. Quand c'est tout, on repart. Et on repart à Gare Saint-Vierge. Tu tournes à gauche. On était limité de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là. En fait, on aurait limité. Mais on repartait à Rony. Mais ça n'existe plus ça. De ce côté, l'arrêt n'est pas pour toi. Au feu à gauche. De ce côté, on m'a dit des fois tu peux être limité à Louis Dupéré. Ouais, on m'a dit Louis Dupéré là. Là, on fait demi-tour au grand rond-point où ils sont 85 qui tournent. Après, ça peut arriver. Ça. Au feu à gauche. Si c'est vraiment en retard. Ouais, c'était plutôt pour moi. Et tu repartais à Orly après. Très rare. Mais les plus, c'est mairie d'Orly. Mais c'est tout. Gaston Viens. Arrêt Orly Gaston Viens. J'ai vraiment l'annonce en tête. Le corps de... J'ai trop regardé la vidéo sur YouTube là. Arrêt Orly Gaston Viens. C'est lui qui... Clairement, je lui ai demandé de prendre une vidéo pour noter les nombres d'arrêt. Il le faut.
en direction Orléans de Trône. Au feu tout droit. Non, ça je te montrerai. C'est au deuxième feu à gauche. Au premier feu tout droit, au deuxième feu à gauche, direction Vitry-sur-Seine. Ouais, avant l'articulé, il m'a fait peur. L'articulé avant, elle allait tout droit. Il y a, il y a 8 ans. En 3 ans. 8, 8. Non, parce qu'on prenait déjà à gauche avec l'articulé. À gauche, alors, prenez. Au feu à gauche, direction Vitry-sur-Seine. C'est rare à l'époque. C'est 8 ans, il y avait un train. C'est rare à l'époque, c'est pas 33 à l'époque. Marcel Cachin, voix des Saules. En fait, on avait trois antennes. Arrêt, Marcel Cachin, voix des Saules. En fait, on avait trois antennes. Il n'y a personne. Il y avait l'antenne Porte de Choisy. Hein? Porte de Choisy, mairie d'Orly. Ouais. Porte de Choisy, aéroport d'Orly. Ouais, donc souvent tu étais limité quoi des fois. Donc en service, tu en avais pas. Parfois tu avais tout, parfois tu faisais que des bouts de nuit, parfois tu pouvais. Au feu tout droit. Mais en gros, la régularité, tu avais un bus qui partait à l'aéroport toutes les 30 minutes. C'était à peu près ça. Tu as toujours eu des bus qui partaient. C'est bête ce qu'ils ont fait à la Fourpéry. Pour le 185, ils mettent Choisy Sud et Fourpéry. Comme moi, cet arrêt, je l'appelle arrêt Choisy-le-Roi, Choisy Sud, virgule Fourpéry. Ouais, comme ça, les gens ont joué ça. Mais ça, mes vidéos, c'est plus pour les chauffeurs de bus. En fait, ça permet. En fait, je les indique les parcours, les services limités et tout. Ouais, ils ont joué ça. Ils ont tout de A à Z, quoi. C'est bien, ça. Dans un dépôt, j'en ai formé 84. Oh. Lequel? Transdev. Limeil Brévan. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, je connais Limeil. Vous connaissez un peu Créteil? Ouais. Vous voyez la préfecture? Ouais. Il y a beaucoup de lignes Transdev. Ouais. Ben, c'est leur dépôt. Ah, d'accord. C'est Limeil Brévan. À l'ancienne, c'était la K, la O1, O2. Ouais. Maintenant c'est 430, 429. Leur dépôt c'est vraiment les meilleurs. Ah ouais. Jean Mermoz. Ils sont vraiment cool. C'est le meilleur dépôt que j'ai vu en tout cas. Dépôt de chez, je suis rentré une seule fois de ma vie dans votre dépôt. Arrêt Jean Mermoz. Après là on arrive à Choisy. On est descendu là. Arrêt Jean Mermoz. Le 185, qu'est-ce que tu disais, il vient de là, il tourne là. Nous sommes à Choisy-le-Roi. Ah, il passe par là, c'est ça, non? C'est ça. Et il vient là, il fait, et là, c'est Orly, ça, dans et il fait son départ là, là. Et ben, c'est lui, là. Fourpéry. Oui. Non, c'est Choisy-le-Roi. Arrêt, Choisy-le-Roi, Choisy-Sud, virgule Fourpéry. Il n'a pas tort. Hein. Donc, non, c'est juste une route qui sépare. Côté Orly, hein. Ah bon? Juste 185 personnes. Mais il reste dans Choisy, ouais, mais en fait, c'est... Ouais, la ligne. Orly, pour le retournement. Arrêt, Choisy Sud, virgule, Fourpéry, Choisy le Roi. Au feu tout droit. Et maintenant, là, on ne fait que du 185.
Ça, c'est un Iveco du 192. Ouais, 192. Ça, c'est même ceux de Nanterre, ça, c'est les mêmes. Ouais. La 192, elle a un itinéraire spécial. Ben, au Marcel Razis en plus. Ouais. Le bas marin, je crois, c'est. Non, au feu à droite. En fait, c'est un itinéraire par le. Un itinéraire marché, ou je crois, ou un itinéraire spécial, quoi. Par rapport au Marcel Razis. Au Marcel Razis, ouais. Un coup, elle passe par. Dans la marée. Les marées, voilà. Dans la marée. Cette ligne, la 185, tu connais un sommet. Il est très sympa. Charge Jules Vaillant. Carrément, j'ai même son snap. Ah. Arrêt Charles Jules Vaillant. Ouais, qu'est-ce qu'elle attend, elle, là-bas? À gauche. Ouais, j'ai cru qu'il reculait le camion avec la lumière. Mais je le vois avancer, ça me. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, sa lumière rouge, il est parti. C'est très dangereux comme ça. Voilà, on arrive au port. Ouais, quartier du Paronnier. Quartier du port. Arrêt quartier du port. Jusqu'à Louis Dupéré. Au feu tout droit. Je reconnais ce port au vieux de l'île là-bas. Un peu exactement. Ben là on arrive à la gare de Choisy-Erreur. Choisis le roi, RER. Vous êtes connu via les réseaux? Hein? Vous êtes connu par les réseaux? Moi un peu, je suis un peu. Ouais. Arrêt, choisis le roi, RER. Donc on faisait le même truc. Ouais.
De la direction. Ouais. Là on est obligé de faire le détour et tout. Ouais. Au premier feu à gauche, au deuxième feu tout droit. Au premier feu à gauche, au deuxième feu tout droit, direction mairie. Direction parking mairie. L'arrêt n'est pas pour toi. Et ce feu là on tourne. Te mettant sur la voie d'inverse, pour mieux tourner à droite car le virage est très serré. Et ici c'est très serré. Hein. Ça fait 9959 heures que le bus roule. C'est ça? Ah, c'est l'heure de maintenant. Général Leclerc. Ouais, des fois le 185 aussi il est limité ici. Ouais. Général Leclerc, ouais. Mais le 183 non. Ça peut arriver s'il y a une manœuvre à faire, si par exemple comme ah, une relève, il y avait la déviation. Ouais, eux ils sont relevés ici. Ouais, c'est l'arrêt plus proche du dépôt. Non, 185 ils sont relevés ici. Mais 183 ils relevent à Rangis. Ouais, c'est pas le permis de partout. Tout à l'heure il y avait une déviation de partout. Tout à l'heure? Ouais. Au feu à gauche. Mais là il n'y a plus. Ah, je pense que là, c'était pas de ce sens-là, c'est de l'autre côté de toute façon. Quel sens? Pour aller directement à l'aéroport. Ouais, tu perds la chimie, hein. Ouais, c'était la route a été bloquée d'un sens, donc je pense que c'est fini. Arrêt Général Leclerc. Ils attendent quelle ligne? Ah, ils attendent les Kéolis. Et là on arrive à arrêt Général Leclerc. Au feu à droite. Ça est là aussi, c'est ça. Au feu à droite en prenant les deux voies pour mieux tourner à droite. C'était au niveau d'où et c'était barré la route? Là maintenant, même maintenant? Là de son côté on peut passer. Non mais de l'autre côté maintenant. Là
Arrêt, choisis le roi, René Pontard. Arrêt, choisis le roi, René Pontard. Mathieu, tu connais celle du secret? Panhard, Hugo. Va sûrement. Bon, je crois qu'elle est 383. Pourquoi elle est 385 alors? Arrêt, Panhard, Hugo, Thier. Au tribunal. Parisien de Thiers. Il y en a deux, alors il y a le cimetière parisien de Thiers et... En tout cas, si on y va, c'est pour une mauvaise nouvelle. Mairie de Thiers. Serre à droite. Arrêt, mairie de Thiers. Mairie de Thiers. Avant c'était le 103 qui passait par là. À cause du T9 et tout, ça a changé. Ouais, tout a changé cette année et tout. Métro 14. RERE. Au feu à gauche, on tourne à gauche, direction Seville-la-Rue. Première fois que je vois ce feu en panne. C'est-à-dire là c'est priorité à droite. Ça fait tomber. Ça change tout. De quoi? Là aussi il change tout, hein, toutes les ballantères elles changent tout. Voilà, eux. Perreux. Nanterre la folie et tout là. Vous allez le dépasser. Arrêt, Perreux. Au feu à gauche. Demande d'arrêt. Passager. Louis du Perret. Louis du Perret. Oh, on m'a dit que tu faisais demi-tour à ce rond-point là. Ouais, avant, en plus c'était Orly 4, maintenant c'est 1, 2, 3. On a vu que la ligne 14 elle part.
par 1, 2, 3. Et nous, on y passe au 4. Ouais, que pour le premier arrêt. Ouais. Terminé. Donc on fait tout en même temps, en fait. Ce sera ça les bus, hein. Arrêt Louis Dupéret, quand tu es limité ici, au rond-point, tu fais demi-tour, tu auras l'arrêt Louis Dupéret et tu reprends l'itinéraire jusqu'à aéroport d'Orly 1, 2, 3. Arrêt Louis Dupéret. La ligne 14. Lui nous a dit non tout à l'heure. Au rond-point, deuxième sortie. Ah, il nous a vu, il a dit, ah ben ils ont finalement trouvé. Après c'est Grand Sang ou Paul Lançois déjà? Paul Langevin. Cimetière Bretagne. Cimetière parisien de Le corps de ça. Grand Champ. Arrêt Grand Champ. Direction marché international de Rungis. Ah non, je les connais par cœur, les annonces. Arrêt Grand Champ. Voilà. Oui, tu paierais. Péreux. Mille de Dieu. J'ai vu. Votre code. Eh ben, c'est une cigarette en plus, hein. Ouais, en bas c'est la 86 là. En bas là? C'est en bas, il y a une autoroute. Paul Langevin. Ah non, c'était derrière l'autoroute. Ouais, ville juive, c'est à droite. Arrêt Paul Langevin. Il n'y a personne. Je vais partir directement à l'aéroport. Bah largement. Ça fait un gros détour le 183. Quand il n'y a personne, vous voulez vous arrêter quand il y a du vent. Hein? C'est l'habitude. C'est ça. C'est machinal. Machinal. Première fois que j'entends ça. Bretagne. Au rond-point à gauche. Demande 2 minutes tant qu'elle se tape. Comment qu'il devine rouge? Au rond-point à gauche. Direction Orly. Au rond-point à gauche, direction Orly. Ouais, il y avait un Bricorama ici. Ouais, là-bas, on arrive vers Villejuif et tout. C'est la nationale 7, ça? Ouais, là, on est sur la département 7. Ouais, ben, parce qu'il y a le tramway 7. Ouais. Là, c'est marqué D7. Hein. Ouais. En fait, à partir de Belle Épine, c'est ça change. Arrêt Bretagne. Bus 183, direction marché international de Rungis. Dès qu'il ouvre la porte, je vais te le dire. Arrêt Bretagne.
c'est pas le prochain, vous voulez descendre là-bas. C'est pas le prochain qu'elle voulait descendre là-bas. La cimetière intercommunale. Ah bon? Ah. Pourquoi elle n'est pas restée dans 185? Ça c'est le cimetière parisien. Ah, cimetière parisien de Thiers. Ouais. Et le à Louis Dupéré, il était en diagonale. Il était juste en face. Ouais, je vois. Ah, il va à Porte de Villejuif. Arrêt cimetière parisien de Thiers. C'est Auguste Perret. Et après, à ton avis, c'est quoi? Après Auguste Perret. Porte de Thiers. Là, le corps de Sas. Porte de Thiers, tu sais c'est quel arrêt? Chez Hilary. Ouais. Ah, tu connais en vrai. Hein, hein? Tu connais. Hein. Au feu à gauche, direction centre commercial. C'est là-bas le marché de Rungis. Ouais. Là, on fait le détour là. Auguste Perret. T'as failli tomber. Ah, il passe le patron aussi. Tu sers à droite. Là, on le suit là jusqu'au terme. Arrêt Auguste Perret. C'est ça le cimetière de Thiers, c'est ça? Cimetière parisien, ouais. Ça, c'est cimetière parisien. Le cimetière communal, c'était à Louis Dupéret. À Louis Dupéret en diagonale. Moi, ouais, je suis lui. Arrêt Auguste Perret. Tu sers à gauche, direction Belle Épine. Le corps de chasse. Arrêtez le corps de chasse. Vous repartez à Orly après. Arrêtez le corps de chasse, Thiers. Nous sommes à Sevilly-la-Rue. Nous sommes à Sevilly-la-Rue. Sevilly-la-Rue. Arrêt Sevilly-la-Rue, métro. Vous êtes au métro, monsieur? Arrêt Sevilly-la-Rue, métro. Tramway. C'est grâce à ça, ça ouvre le péage. On m'a dit. Il faut que tu avances au max en ralentissant. Et si ça ne marche pas, tu sonnes.
Et si ça marche, t'avances. Un peu levé, quoi. Au feu, tout droit, fin de la voie de bus. Au feu à droite, fin de la voie de bus. Et tu te mets sur la voie de gauche. À droite et tu serres à gauche sur la voie de bus. Au rond-point première sortie et tu serres à gauche sur la voie de bus. Là tu tournes à gauche. Tu tournes à gauche. Arrêt, Marché international de Rungis, terminus de la ligne. Marché international de Rungis. Terminus. Avant de descendre, vérifiez que vous n'oubliez rien à bord. À bientôt sur les lignes RATP et Île-de-France Mobilité. This bus terminates here. Final del trayecto. Capolinea. Arrêt, Seville-la-Rue, Marché international de Rungis, terminus de la ligne.